Ich bin Virginia. Virginia Heinen. Ich bin Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin. Und seit 20 Jahren lebe ich in Frankreich. What you will and what you won't. Ich will immer Träume haben und versuchen, sie zu verwirklichen. Und ich will mir meinen Blick für die schönen Dinge bewahren. What you can and what you can't. Ich kann Pullis stricken, aber keine Hemden bügeln. What you do and what you don't. Ich möchte immer in Bewegung bleiben. Ich möchte aber nicht stehen bleiben. Und meinen Humor möchte ich auch nicht verlieren. Und ich möchte später nicht mal sagen, früher war alles besser. There. Ready? Wir besuchen heute den Hof der Familie Hoffmanns in Obersteinbach. Das ist ein Dorf in dem Naturpark der Nordvogesen im Elsass. Ich möchte Ihnen diesen unkonventionellen Reiterhof vorstellen und insbesondere Johann Hoffmanns, der sein Leben dem ganz besonderen Umgang und vor allen Dingen gewaltfreien Umgang mit Pferden widmet. Er kommuniziert mit den Pferden, indem er die Methode des Kaliforniers Monty Roberts anwendet. Er therapiert Pferde, muss oftmals aber auch die Reiter erziehen und er arbeitet mit behinderten Kindern. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Hingabe und der Respekt, mit denen Johann sich den Pferden widmet. Und das auf so ganz unspektakuläre und natürliche Art und Weise, fernab auch vom Big Business. Der Einklang von Mensch, Tier und Natur verleiht diesem Ort eine ganz besondere Atmosphäre. Hier herrscht ein fröhliches, buntes Miteinander. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Film mache und schon gar nicht über Pferde. Aber Johann Hoffmanns mit seiner Lebensphilosophie hat mich dazu inspiriert. Sehen Sie selbst. Là, le cheval, c'est déjà au moment que je suis en contact avec, je commence l'éducation. Et je veux qu'avec mon langage complet, quand je m'arrête, il faut que le cheval s'arrête. Quand j'avance, il faut qu'il avance. Et quand je recule, il faut qu'il recule. Et tout le temps, il est récompensé. Donc c'est un renforcement positif. Quand je lâche le cheval, il faut qu'il parte. Et même le cheval qui est tellement humanisé, qui reste près de l'homme, il faut qu'il comprenne. Il est né comme animal de proie, donc il faut qu'il se comporte comme un animal de proie. Moi, je suis né comme prédateur, bah, je suis un prédateur. Là, je saute mes griffes, vous voyez. Là, je vais fermer mes griffes et instantanément, le cheval est ralenti. Là, on va aller changer de direction. Et tout à distance. Donc là, je pense que j'ai le bon signe. Donc, mon attitude agressive, je vais le changer dans une attitude facile.
Ouais. Donc ça, c'est le family joiner, l'invitation, où le cheval est d'accord de venir avec moi. Je veux que ça devienne un sort de danse. J'aime bien se travailler de cette façon-là. Il ne le fait pas parce qu'il est obligé, mais il le fait parce que lui-même, il a envie. Évidemment, c'est une utopie, mais je travaille dans ce sens-là. Temps, hein. Ça fait plaisir de vous voir, c'était un bout de temps. Bonjour. Amène la tête vers là. Donc, il faut que vous me racontiez un petit peu le problème. Alors, le problème, c'est que depuis 3 semaines, elle a décidé de ne plus du tout me donner ses pieds. Et elle botte même à l'arrière. On a dû quasiment l'endormir pour lui faire enlever les fers. Mais vous n'avez pas des raisons? Je ne sais pas. Okay. En tout cas, il ne s'est rien passé avec moi pour qu'elle ne donne plus ses pieds. Elle a peur. Elle a peur. J'aimerais bien qu'on arrive à résoudre ce problème. On va d'abord lui laisser un petit peu, oui, parce qu'il a fait le voyage. Bien sûr. Il peut se calmer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le chat, il donne tout plein de signes. Il crie presque avec le signe, mais les gens n'arrivent pas à l'interpréter. Et voilà, donc du coup, c'est presque de maltraitance. Monty Robert, lui, il a découvert vraiment le langage corporel du cheval. Et lui, il a aussi cherché donc à créer une façon de travailler sans brutalité et où il y a le respect mutuel. Et j'avais déjà un petit peu étudié les différents chuchoteurs et des gens dans ce milieu. Et c'était un peu comme un puzzle où les pièces se sont mises ensemble. Donc j'ai dit à ma femme, je veux voir cet homme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais même pas qu'il avait une école ou des élèves. Et donc... Je suis instructeur Monty Roberts. Nous sommes environ 65 personnes actuellement dans le monde qui le représentent. Ah, il est encore coincé. Hein. Ça, c'est bon. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez Johan et Sylviane, c'est que pour des chevaux de club, normalement, je ne suis pas appelée parce qu'ils n'ont pas une valeur monétaire. Et du coup, j'ai été très curieuse de faire un stage de join-up avec lui. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée professionnellement. J'ai aussi appris à reconnaître les signes, c'est-à-dire que là, quand il m'achouille, ça veut dire qu'il est détendu. Donc je sais qu'il est en confiance, donc à partir de là, je peux aller travailler. Ne t'inquiète pas. Voilà. Ah ben, ça commence à tourner. Je te gentil. Il est débloqué, mais il a encore peur d'avoir mal.
Puis ici, il y a une photo d'une de mes filles. Hein. J'ai deux filles, Floriane et Suzy. On les a jamais forcées de participer dans l'équitation, mais je peux vous dire qu'actuellement, ils sont très engagés. Florian, le plus âgé, qui a 17 ans maintenant, l'année dernière, elle était champion d'Alsace en trek et deuxième en championnat de France. Et Suzy, la fille, elle a 16 ans et elle est plus dans le dressage. Ce côté, peut être fier. Et d'ailleurs, je suis aussi très fier de mon fils, mais lui, c'est plus le foot. Moi, j'aime pas le cheval, mais ma sœur, oui. Et donc, je viens souvent les aider pour faire le groom ou préparer le pique-nique. Mais n'empêche, il sait aussi faire du cheval, mais ça lui... Il faisait du trot enlevé déjà à 3 ans, et un jour, le lendemain, il dit, moi, je fais plus du cheval, moi, je fais du foot. Et c'est bien aussi. Je pense que c'est une espèce de rêve qui est devenu déproportionné, qui a pris d'ampleur, mais oui, de créer un petit paradis où on peut vivre en paix avec l'environnement, avec les animaux. Et j'ai eu de la chance aussi de tomber sur une femme adorable. Johan a cette caractéristique de voir le potentiel en chacun des gens qui l'entourent, animaux comme humains. Et donc, la vie à côté de lui est vraiment, vraiment épanouissante. Donc, je pense que c'est important que chacun puisse s'épanouir dans son travail. Et du coup, c'est plus du travail. C'est des vacances. Si on a envie de se lancer dans un projet, il dit « Ah, vraiment, tu veux faire ça ?» Bon, comment on va mettre ça en œuvre? Et il aide justement les personnes, et moi aussi, en particulier moi, à mettre en œuvre mes rêves. Elle avait un rêve, elle a dit « soit tu le fais maintenant, soit je ne peux plus le faire ». Donc à un moment donné, j'avais, pour son anniversaire, je lui avais offert un vache, un génisse, et on s'est aperçu, finalement, dans une couille, il y avait un veau. Donc, elle a porté et ensuite, elle a commencé à traire, à transformer le lait. J'avais envie d'avoir des animaux autour de moi, j'avais envie d'avoir une famille nombreuse. Et donc, depuis 1993, nous sommes famille d'accueil et avons régulièrement des adolescents, puisque la ferme se prête bien à l'accueil d'adolescents. Et la tête.
forcément. Il y a aussi du travail à pied qui est très intéressant, justement pour tout ce qui est aspect, prise de confiance en soi, relationnel, etc. Mais le fait de monter à cheval, ça provoque vraiment un bouleversement de tous les repères corporels de la personne, pas forcément que de ce genre d'enfant. Et donc ça demande une réorganisation de leur part, et c'est ça qui est vraiment intéressant en psychomotricité. Ce qui enrichit beaucoup, c'est que chacun peut amener son idée ou son façon d'aborder. Ce qui est très bien, parce que j'ai vu souvent, on pense tel et tel enfant, des gens qui sont tout le temps avec, ils disent ah, c'est impossible qu'il peut faire ça, qu'il peut un jour monter sur le cheval ou qu'il peut faire. Et que finalement, c'est tout à fait possible parce que quelqu'un d'autre, il a une vue plus élargie peut-être. Enfin, donc ensemble, en discutant, on peut faire des choses extraordinaires. Up, boys, up. Ouais, maintenant on verra là-bas. Hein. Attention le cheval. Ah, il a fait un blague. C'est l'heure, hop. Voilà, regarde où je suis. T'inquiète pas. On va marcher à l'envers. Ouais, hop, fais-toi à l'envers. J'ai peur. Non. Lève le menton. Je suis presque arrivé. Oui, oui, oui. Courage, Maurice. Oui, ça on peut dire. Courage, Maurice. Courage. Ouais. Ok. Maintenant, ouais, tu te tiens bien. Maurice. Ah, ouais, bon. Fais-le encore là. Et maintenant, attention. Ah, il faut encore James. James. Ouais. Il a pas ah, bravo, hein. Je suis fier de toi. C'est génial, respire hein. Bien. Hein. Ouais. Et on souffle. Et on sourit. Et on respire et on sourit, oui. Mais pour sourire, il faut ouvrir la bouche quand même. Hein. Ouvre la bouche. James. Ah, tu vois, tu rigoles. C'est bien. Lève le menton, princesse. Comme ça. J'ai combien de doigts? Je ne vois pas. J'ai combien de doigts? Je ne vois pas. Mais regarde alors. Si moi je vois pas, je regarde. Là, combien de doigts? Combien? Deux. Ah! Ça, c'est mon meilleur cavalier. Il est pas cher dans l'entretien. Jamais malade. Parfois, faut le réparer un petit peu, mais... C'est pour lui aussi la première fois de sa vie qu'il a un mannequin, un ours sur le dos. On va voir ce qu'il dit. Ah, là on a une surprise. Il accepte les humains, mais pas les ours. Bien ça. Vous voyez comme il a confiance en moi. Je l'aide comme un enfant, je prends à la main. Vous voyez le même cheval qui était pas mal paniqué avant. Là, il a compris, il a accepté et le problème est réglé. Et donc, je peux vous dire que cet ours, chez moi, il a déjà sauvé pas mal de chevaux de leur dernière chance avant qu'ils devaient partir à l'abattoir. Trop su quoi faire, et du jour au lendemain, ben il voulait plus sauter. L'ayant emmené chez plusieurs personnes avant, des cavaliers professionnels pour essayer de le refaire sauter, ça a jamais rien donné. Donc on s'est dit dernière chance pour lui, de sinon il serait parti faire du pré, enfin un cheval de balade. Donc on l'a ramené chez Johan et qu'il l'a gardé 2 mois et qui lui a redonné confiance en lui, redonné confiance aux obstacles. C'est cette année, donc on va reprendre les concours et on va essayer de faire plus haut encore. Toujours en essayant de gagner. Hein? Oui.
fille dans son pied, bah, il peut pas fuir. Donc pour certains chevaux, ça peut être un réel problème. On va faire un journal pour essayer d'instaurer la confiance et aussi le respect. Parapluie qui a des couleurs jaune et bleu, et ce sont deux couleurs que le cheval voit bien. Son instinct lui dit de fuir, parce que c'est normal pour un cheval, dès qu'il est en difficulté, il fuit les difficultés. Et moi j'essaie de construire un tout petit voix dans sa tête qui dit, ok, t'as envie de fuir, mais tu te contrôles. Tu prends sur toi. Bon, c'est un cheval criollo, c'est de sud-américain, mais je crois qu'il se porte quand même le drapeau français, donc ça va. Voilà. Et tout le temps, vous voyez, je lui rends la liberté et finalement, je lui impose des choses qui sont probablement pas trop agréables, mais son premier réflexe, c'est de venir avec moi. Vous voyez, la relation, je demande beaucoup de choses et la relation entre nous devient plus forte parce que c'est comme on vit ensemble des aventures. Ça peut être un peu frustrant que nous avons parfois une relation avec le cheval après 10 ou 20 minutes de travail qui est plus fort que le propriétaire a jamais eu. Aussi que je me suis trouvé bien avec Monty Roberts. Lui, il dit toujours qu'il veut créer un meilleur monde pour les chevaux et à travers ça, même pour les humains. Et moi, je pense réellement, si on respecte les règles de non-violence et quand même créer des limites à une certaine discipline et le respect mutuel, je pense que ça devait se faire dans la vie. Même si ça n'a rien à faire avec des chevaux. Et l'utopie, c'est de pouvoir changer le monde entier, mais il y a tellement de guerres et de mauvaises choses, je suis pas sûr que ça en arrive, mais on peut commencer quelque part et que ça fait boule de neige. Voilà, regarde, lève le manteau. Ouais. Go, 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 bravo! Oh, many, many! Mais c'est quoi comme cheval? C'est
quoi ça comme cheval? Hein? C'est quoi ça comme cheval? Mais mignon! Regarde ça maintenant. Je crois, à mon avis, je sais pas, hein, il dort. Réveille-toi! Hop, il mignon! Voilà, bravo! Das war Johann Hoffmanns auf seinem etwas anderen und unkonventionellen Reiterhof. Und wenn Sie jetzt selber Lust bekommen haben, sich mal auf einem Pferderücken durch die schöne Natur tragen zu lassen oder den Ort zu besuchen oder hier mal wandern zu gehen, dann können Sie die Website besuchen, wo Sie alle Informationen finden. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei.